L'équitation est un sport très populaire en France. En effet, c'est le troisième sport en nombre de licenciés et le premier sport féminin. Il y a 8000 centres équestres en France, tous qui ont un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée parce que les Français aiment beaucoup faire l'équitation. Il y a 2,3 millions de cavaliers français dont la plupart sont les jeunes filles à la classe moyenne. Les disciplines pratiquées en France sont nombreuses et variées. La plus populaire discipline, qui représente près de 80% des compétitions, est le saut d'obstacles dans lequel le cheval et son cavalier sautent des obstacles dans un ordre spécifique et ils sont jugés sur leur forme, leur précision et leur minutage. Les autres disciplines populaires sont l'attelage, le dressage, l'endurance, le horseball, le polo, le reining, le voltage en cercle et le concours complet d'équitation dans lequel on fait le saut d'obstacles, le dressage et le cross. La France organise la majorité des compétitions équestres affiliées à la Fédération équestre internationale et c'est aussi la première destination de tourisme équestre. Plusieurs cavaliers professionnels français ont eu beaucoup de succès et nombreux de places souvent dans les compétitions internationales. La France est aussi où le cadre noir de Saumur se situe. C'est un corps de cavaliers d'élite français à l'École nationale d'équitation qui était une division du militaire pendant les siècles passés. Aujourd'hui, il enseigne l'équitation disciplinée et impressionnante. Comme vous pouvez voir, l'équitation est une tradition très importante en France et beaucoup de Français choisissent de la faire. C'est très populaire en France et les autres pays aussi, et le sport continue à grandir.